Ouais, Boudou. Mal. Ta constante protection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, merci pour tout. Hein. Bon, je voudrais quand même revenir sur des petits trucs, des petites choses, peut-être qu'on fait, mais dont on ne se rend pas souvent compte. Voyez, en liturgie, quand on parle de gestes et d'attitude, gestes et puis attitude, n'est-ce pas? Quand on est assis, c'est pour quoi? C'est pour écouter, non? Quand on est assis, c'est pour écouter. Et puis en liturgie, vous voyez, alors les gestes, ils doivent être vraiment uniformes. Je veux dire quoi? On dit, on est debout, n'est-ce pas? Pour louer. Mais pendant qu'on est debout, certains sont debout, il y en a qui sont assis. Ça ne marche pas comme ça. On se comprend, non? J'ai dit, en liturgie, là, tous nos gestes doivent être en forme. Pendant que moi je suis par exemple debout, mais bon, pendant que voilà, où on va être tous debout, il y en a qui sont assis. Bon, moi je ne comprends pas. Hein. On se comprend, non? Donc il faudrait que nous fassions l'effort pour faire les choses vraiment de façon bien, quoi. Vous voyez, ce n'est pas intéressant. À moins d'avoir peut-être des difficultés, on a des petites difficultés avec les genoux, peut-être avec la hanche, ça on peut comprendre, hein. La personne est assise, il n'y a pas de difficulté, mais bien, voilà, tu es bien en forme. Hein. Puis au moment où on dit, on fait lève la tête, tu es assis. Bon, il faut corriger ça, hein, c'est bon, non? Il faut corriger ça. Ça va? Voilà, vous voyez, on est dans l'église, il y a beaucoup de choses qui nous échappent souvent. Ou bien on a pris des habitudes souvent qui ne sont pas très bonnes et puis on les a conservées. Et puis on pense que c'est comme ça qu'on doit faire. Donc il faut un petit effort. C'est bon, non? Parce qu'il faut un petit effort. Demain, alors c'est le grand jour pour le Père Antoine, qui est vicaire ici, qui est votre fils. Voilà, donc il faut faire l'effort d'aller le soutenir. Là, la messe à 10h, non? Il y a un convoi qui est organisé, non? Ou voilà, aller autour de 1000 francs. Bon, pour un prêtre, dépenser 1000 francs, c'est pas beaucoup même. On ne veut plus que ça. Donc déjà demain, donc, vous allez partir d'accord pour le Seigneur, vous protège à l'aller et puis au retour. Voilà. Et que là-bas, là, ce soit pour vous aussi un lieu où vous rencontrez le grand Seigneur et un lieu où il vous bénit, où il vous apporte beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions. Voilà, merci beaucoup. Puis, bon.